Coucou tout le monde, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter une nouveauté Craft O' Clock. Ça s'appelle Velvet Dreams. Et alors, cette collection est particulière parce que dans ce bloc géant que vous allez acheter, il y a plusieurs choses. Donc, je vais vous montrer ça. Alors, déjà, on a cette jolie page comme ça. Donc, déjà d'entrée de jeu, avec un aigle majestueux ici, comme ça. Déjà, la première page, elle en envoie. Ensuite, on a ce joli fond. On a cette page magnifique et on a des petits mots en bas que vous pouvez couper pour détourer. Par exemple, vous coupez un rectangle comme ça et vous pouvez les rajouter sur votre album ou sur vos cartes. Mais vous pouvez également les laisser comme ça. C'est pas des petites bandes avec des pubs comme on a par exemple sur d'autres marques. Donc cette page-là, elle est magnifique aussi. Et voilà l'arrière. Donc là, c'est écrit en anglais et à l'arrière, ça doit être écrit en polonais parce qu'il me semble que c'est une marque polonaise. Alors ensuite, on a cette jolie page. Donc c'est dans les tons violets, hein, vous le remarquerez. On a beaucoup, beaucoup plus de violet qu'autre chose. Donc là, on a une pleine lune. Magnifique, absolument magnifique avec ces jolies fleurs. Je pense qu'on peut faire vraiment un très, très beau projet avec ce papier. On a ce joli fond. Ensuite, on a cette page et cette magnifique porte à l'arrière. Cette jolie page comme ça, avec ce joli fond. On a de nouveau cette page comme ça. Donc là, on va avoir deux fois les mêmes pages. Une fois qu'on a les deux mêmes designs en 30-30, on a ceci. Alors ça va être des blocs 15-30 comme ça. Donc on en a deux. Je pense que c'est deux fois les mêmes. Donc on a ce joli bloc en 15-30 comme ça avec des petites choses à détourer. Et voilà, on a des oiseaux à détourer, hein, des chouettes, des petits hiboux aussi peut-être. Et puis on a des aigles. On a ces jolies choses à détourer aussi. Et puis la même chose à l'arrière. Ensuite, on a des livres et des enveloppes, comme ça. Ensuite, on a ceci. La même chose à l'arrière. On a des fleurs, comme ça. Encore des fleurs, comme ça. Et puis, comme ça. Et comme ça. Ensuite, on a ce joli fond violet et celui-là, ce joli fond et celui-là, et puis celui-là et celui-là, et enfin pour terminer, ce dernier. Et donc le bloc 15-30 que je viens de vous présenter, on l'a deux fois bien entendu. Ensuite, on a ceci, donc on a plein de petites choses à détourer et une grande carte comme ça, un grand fond ici. Et puis à l'arrière, voilà comment c'est. Ici, c'est pareil. En fait, ces grandes images, elles font l'équivalent d'un bloc 20-20. Et ici, ça fait l'équivalent d'un bloc 15-15. Si je peux dire ça à peu près comme ça, puisque ici, on va avoir un bloc 20-20. Et ici, on a plein de choses à détourer comme dans les blocs 15-15. Donc voilà comment se présente cette page. Et l'arrière, celle-ci et l'arrière, cette page avec plein de petits sentiments et celle-là, cette page et elle est comme ça derrière, celle-ci et elle est comme ça à l'arrière, et puis on a de nouveau la même chose une deuxième fois. Donc ça fait l'équivalent de deux blocs 20-20 et de deux petits blocs 15-15. Ensuite, on a l'équivalent de deux blocs 15-30 comme ceci. Et on a l'équivalent d'un grand bloc comme ça. Alors un sacré bloc hein, parce qu'on a deux fois les mêmes designs comme ceci. Voilà pour la nouvelle collection Velvet Dreams qui est une nouvelle collection de chez Craft O' Clock. J'espère que ma présentation vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir dans la barre d'infos, je vous mettrai le lien vers la collection.
Et n'hésitez pas à me laisser un message dans les commentaires. Si vous avez une question, j'y répondrai avec plaisir. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!